Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 juillet. Il est 17h46. Je viens d'allumer le fondant donc chez Rubin, donc qui est le Angel de Mugler. Il se diffuse doucement, mais en fait toutes les fenêtres sont ouvertes. Alors oui, les volets sont fermés parce que bah, il fait très chaud. Donc voilà, donc je pense que je vais remettre un tout petit peu de fragrance parce que moi j'aime bien quand ça. Quand ça dépote, mais moi pour vous les vendre, je suis obligée de respecter un dosage. Je suis obligée de respecter le dosage à 10%. En fait, hier, donc je suis bien allée chez mon pote. Je devais dormir chez lui, mais en fait, on papotait, on papotait, on papotait. Tout d'un coup, il a eu mal au ventre et en fait, il est devenu blanc. Mais blanc, 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 il se sentait pas bien. Puis après, bah, il était pris de frissons. Donc voilà, il avait chaud froid, donc il devait commencer à faire de la fièvre. Et comme c'est un homme, il refuse de se soigner. Ce que je fais, si tu veux, je te passe un Doliprane, t'en prends. Il fait ouais, non, et tout, machin. On connaît souvent les hommes comme ça qui veulent faire les durs et qu'ils ne soignent pas. Donc voilà, donc après il m'a dit, bah moi je vais me coucher, je fais, tu veux que je reste? Il fait, ouais, non, je suis pas bien. Donc en fait, je suis rentrée. Donc il m'a recommandé un Uber et je suis donc rentrée chez moi. Donc en gros, je suis restée une petite heure. Voilà. En fait, ça allait, hein. Clairement, je suis arrivée, lui il était revenu de vacances. Ça allait, il a bu sa bière et tout. Puis tout d'un coup, on parlait et là, je le vois pâle, mais pire que blanc que moi. Hein. Et pourtant, il n'est pas blanc de base. Il est un peu. Non, il. Je dis pas qu'il est métis, mais non, il a la peau bronzée parce que bah, déjà, il a passé 2 semaines de vacances dans sa famille. Je ne dirais pas où, mais bon. Techniquement, voilà. Donc, on a parlé. Puis là, ouais, je le vois tout pâle. Il dit qu'il a mal au ventre. Donc, c'est trop bizarre. Donc, j'espère qu'il va bien parce que j'ai pas de nouvelles. Donc il m'envoyait un message quand je suis rentrée, il m'a dit ouais excuse-moi et tout. Je lui ai dit, mais t'inquiète, c'est pas grave, t'as le droit d'être malade ou même fatiguée en fait. C'est la vie, hein. Et il m'a dit, mais de toute façon, je suis encore en vacances. On se reverra, t'inquiète pas, on se fera un resto. Bon, il me dit ça à chaque fois. Je les attends toujours les restos, hein, vous savez. Mais là, il voulait tester la pizzeria de ma ville. Voilà. Je ne suis jamais allée parce que le seul resto dans ma ville que je fais, c'est le japonais. Voilà. Donc là, le. Comment ça se diffusait? Tu le sens, toi, le fondant? Ouais, bon, je vais le recharger un peu. Ouais, mais là, toutes les fenêtres sont ouvertes. Donc voilà. Et en fait, depuis hier soir à 23h, il y a un chien qui a aboyé non-stop, mais clairement non-stop. Il s'est arrêté, il était 4h30 du matin. Moi j'étais rentrée depuis 1h, il s'est arrêté à 4h30. Donc moi personnellement, quand je suis partie, mes chiens ont aboyé. Ça oui, et quand je suis revenue aussi, étant donné que les fenêtres étaient ouvertes, on entend les bruits dehors. Et puis de toute façon, le chien qui aboie, moi ça énerve les miens, ce qui est normal. Et en fait, sur le site de ma ville, j'ai mis un post en disant... oui, là actuellement il est 4h du matin, il y a un chien secteur machin qui aboie depuis 23h. Est-ce que quelqu'un sait à qui il est? Parce qu'en fait, tout simplement, ah si ça commence à arriver là. Et je fais oui, parce que bah, en fait moi ça agite mes chiens, puis, de toute façon je peux pas dormir là, quoi. Je peux pas dormir à la fenêtre ouverte, à la fenêtre fermée, c'est pas possible. Ma voisine répond, bah, les propriétaires étaient sûrement absents, ça arrive. Ok, alors eux, ils ont le droit d'être absents. Moi, quand je suis absent, je me fais lyncher. Hein. Quand je suis absente, je me fais lyncher par ma voisine. Je dis oui, non, non, mais c'est pas ça. Mais le chien, il était dehors. Il était, je l'entendais. Et si je me plante pas, c'est le chien de la cour d'à côté. Et en fait, ce chien, pour moi, si tu t'absentes, le chien, tu le laisses pas dehors déjà. Tu le laisses pas dehors, tu le rentres. Je sais pas. Il y a un... Mais bon. Et après, elle me fait oui, puis tes chiens aussi, ils ont aboyé. Je fais oui, je sais, je suis désolée, je m'en excuse, quoi. Je m'en excuse et tout. Ok. Parce que oui, mes chiens ont aboyé. Bah, quand je suis partie, ils ont aboyé. Ils ont dû aller réveiller Jen, lui échouiller les oreilles. Et quand je suis revenue, je voyais Jen sur son téléphone.
Puis je lui parle et en fait, non, elle dormait encore. Elle s'était rendormie. Est-ce qu'au début, je suis allée t'embêter et tout? Puis elle répondait pas. Je dis, ah bon, bah, elle doit s'être endormie. Et là, tout d'un coup, j'entends. Ah ouais, elle dort. Jen ronfle. Ouais, Jen ronfle. Donc, ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Mais Melba, t'as une grosse. Toi aussi, tu mets ta grosse tête devant le téléphone. Non, je sais ce que tu veux. Il est 51. D'accord? Il est 51. Tu attends. Donc, en fait, donc en gros, j'ai réussi à m'endormir. Il était 4h30, voire presque 5h ou un quart. Et j'ai en gros émergé. Il était, bon, j'ai eu plusieurs phases de réveil. Il était 17h quand je suis sortie du lit. Quand je suis sortie du lit, il était 17h. J'ai sorti les chiens. Charlie est en salitière, Jeanne. Donc à 17h, j'ai sorti les chiens. Puis après, je me suis préparée et je devais aller à la pharmacie chercher un médicament. Parce que hier, j'ai fait mon pilulier et le médicament me manque. Quoi, me manque. J'en avais encore pour 4 jours. Donc, je vais chercher mon médicament. L'Ozempic n'étant toujours pas disponible, c'est pas grave. Donc, de toute façon, je vais m'arranger avec la pharmacie. J'attends donc le 19. Donc, c'est bien le 19 que j'ai rendez-vous chez le médecin. Chez le médecin, je demanderai une boîte d'aiguilles de 4 mm parce que c'est les aiguilles qui sont fournies avec l'Ozempic. Donc, je demanderai ça. Et je pourrais m'arranger avec la pharmacie pour avoir du 1 gramme. Et en fait, la seringue, au lieu de me faire 1 mois, me fera 2 mois, tout simplement. Parce que là, il me reste encore 2 injections de la seringue que ma mère m'a donnée. Mais en fait, elle a pris des aiguilles de mon père. Donc, c'est des 5 mm. Sauf que moi, je me souviens quand je me piquais en insuline. J'ai quand même eu du 7 mm, hein, donc voilà, voilà. Donc, non, j'ai même eu du 8. J'ai eu du 8, après du 7, et après j'ai eu du 5. Voilà. Donc maintenant, bah là, je vais demander du 4, parce que moi, le 4, je sais que c'est celles qui sont fournies avec les Ozempic. Et au moins, je sais qu'elles ne me font pas mal. Donc je m'arrangerai avec la pharmacie, puisque la personne que j'avais vue la dernière fois m'a dit, sinon, on vous donne du 1. Mais il faut acheter une boîte d'aiguilles. Ouais, 16 balles la boîte d'aiguilles, alors que je peux l'avoir gratuite puisque je suis en LD diabète. Voilà. Donc, ok. Donc, ça, voilà. Donc, là, moi, je bois mon café en mangeant des radis. Bah oui, bah écoutez. Et j'avoue que j'ai un petit coup de fatigue, donc je ne sais pas. Peut-être que je me recoucherai un peu. Parce que bah, j'avoue que ouais, là j'ai trop de fatigue accumulée. Donc peut-être je me recoucherai un peu. On verra. On verra si à 19h je me recouche. Donc écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. En cravate. Je voulais vous filmer Cannelle qui embêtait Muffin. Et au moment où j'ai pris la caméra, et bah Cannelle, elle s'est léchée le derrière. Ah ma Cannelle. Bah oui, mon bébé. Bah ouais mon bébé. Bah toi aussi tu te lèches le derrière, bah alors. Un chien assis sur ses fesses. Là, vous pouvez voir la position de assis sur ses fesses. Hein, tu veux embêter Muffin? Vas-y, embête Muffin. Vas-y. Ouais, tu veux jouer, mon bébé. Vas-y. Vas-y, embête-le. T'as le droit. T'as le droit de l'embêter. Il n'y a pas que ta frangine qui a le droit de l'embêter. Oui, Jane Pionce. À moitié. Non, pour ceux qui disent qu'elle dort tout le temps, c'est juste que bah, elle a le droit de se reposer en fait. Ah, ma mamie, ma oui. Ma oui. Oh non, ma fille. Aïe, aïe, aïe. Oula. Bon, il se passe quoi là? Cannelle, tu voulais jouer avec ma fille, et encore une fois, je prends le téléphone. Et Muffin te dégomme. C'était pas ça à la base, Muffin. C'est elle qui t'embêtait. Melba, tu pousses ton petit cucu. Melba, t'as un petit cucu. Hein. Bah vas-y, tout le monde s'embête. Allez hop. Allez hop, baston, baston général. Là. Non, pas baston sur Cannelle. Vous êtes pas cool. Oui, oula, t'as un gros nez. T'as un gros nez, mon chien. Ouh, je t'ai vexé. La crevette? Mamie? Y a mamie, y a mamie.
Viens, mamie. Mais t'es trop loin pour les caresses. Ma fille, il va embêter Jen. Jen, elle va au fumoir. Ah, d'accord, pipi. Ma cannelle. Hé, cannelle, t'es trop loin pour les caresses. Cannelle, j'ai le bras trop court. Oh, oui, écoute. Viens, mon chien. Voilà. Oh oui, mon bébé. Oh oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh oui, oh oui. Oh oui, mon bébé. Mon bébé de maman. Il est minuit 52. On a mangé il y a plus d'une heure, hein, clairement. On a fini de manger, il devait être à 23h52. Donc on a fini de manger il y a une heure. Moi, je suis en train de regarder donc Heartland. Voilà, j'ai attaqué la saison 2. Et en même temps, j'ai téléchargé, quoi. Retéléchargé la série, quoi, l'animé Fruit Basket. Parce qu'en fait, je les avais supprimés une fois que je les avais vus. En fait, je me dis, je vais les conserver. Voilà. Donc, je les ai retéléchargés. Fruit Basket, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un manga, un animé, en fait, sur le dieu, le zodiaque chinois. En fait, tout simplement, une malédiction sur une famille. Et en fait, des membres de la famille se changent en l'animal de leur signe du zodiaque. Voilà, bon, c'est vraiment là le gros de la série. Voilà. Mais moi, en fait, à la base, je l'ai connue il y a là le temps, cette série. Je l'avais aussi connue en manga-livre. Et en fait, quand je l'ai vue, moi, il n'y avait pas de suite à l'époque. Après, ils ont refait la série. Et après, donc, il y a trois saisons et il y a enfin une fin. Voilà, simplement. Parce que moi, je n'avais pas la foi en manga, je n'avais pas apprécié de les lire. Donc, je préfère regarder certains animés que lire certains mangas, alors qu'il y a des mangas que j'ai lus. Et après, il y a des mangas qui ne sont pas sortis en animé. Voilà. Mais, voilà. J'avais lu en manga li, en manga li, lu, lu j'avais lu Pink Diaries, The Pink Diaries. Après j'avais lu, j'ai lu aussi les mangas, comment ça s'appelait? Automen. J'avais lu, je l'ai jamais fini celle-là. J'avais lu les Chobits, Chobits, je sais pas comment ça se dit. Je les avais lus ceux-là, mais j'avais aussi vu l'animé. J'avais lu quoi? Avant les mangas, j'en lisais. Hein. J'en lisais beaucoup. Mais moi, je suis plus attirée par les mangas Histoire d'amour, mais gay. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'ai plus le nom en tête. Voilà, des mangas Histoire d'amour, gay. Voilà. C'était plus. C'est pour ça que c'était plus mon truc. Voilà, ça c'est ce que j'avais lu en soi. Après, j'avais commencé donc Fruit Basket, j'avais pas aimé. En manga, hein, en animé, j'adore, mais en manga, en fait, des fois, il y a des mangas, t'as la flemme de les lire, quoi. Donc, c'est pour ça. Excusez-moi. Ce soir, moi, j'ai fini mon taboulé et j'ai mangé un peu de carottes râpées. Jen a fini les crêpes, elle a pris donc les deux dernières crêpes. Parce qu'à la base. Je la voyais dévorer sa crêpe, je lui avais bien de la place pour une deuxième, quoi. Donc elle a fini les deux crêpes, donc ces deux crêpes qui lui restaient. Demain, on mangera le poisson. Faut que je trouve, je pense que je ferai une petite boîte d'haricots verts avec le poisson. Voilà. Je ferai une petite boîte d'haricots verts avec le poisson, puis voilà, on trouvera bien à manger. Après, il y a encore les carottes râpées, bien sûr. Après, le poisson, il y a la pizza que j'ai acheté en course qui est arrivée hier. Il y a la pizza qui est bonne jusqu'au 15. Et de toute façon, après, il y a aussi tomate mozza et la mozza était bonne jusqu'au 20. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Après, tout ce qui était en date, la viande hachée et le poulet, je les avais, et le poulet paprika, je les avais mis à congeler. Je m'étais battue avec le congèle d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'étais allée à la pharmacie chercher un colis, je ne sais plus. Je suis allée chercher un colis Mondial Relais. J'y retourne demain parce que j'en ai un second qui arrive. Voilà, donc c'est mes fameuses génoises américaines. Je vous mets une photo ici, les sponges, je ne sais plus quoi. De toute façon, vous verrez dans les produits terminés.
Donc j'ai reçu donc un colis et je suis à la pharmacie chercher un médicament. Voilà. Donc ouais. Donc après, bah, voilà ce que j'ai à dire. J'avoue que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais j'étais pas très bien. Je commence à avoir mal aux dents. Encore une fois, vous allez dire. Elle se plaint tout le temps de ses dents. Je sais pas. Donc j'allais prendre un ibuprofène. J'allais prendre un ibuprofène et voilà. Histoire de calmer un petit peu. Voilà, demain, je change mes draps. Je change mes draps. Il faut que je lave les draps de Jen. Donc, il faut que je fasse une machine. Voilà. Puis en soi, voilà. Oui, Jen ronfle. Voilà, oui, vous avez vu beaucoup les animaux sur le vlog. Ouais, j'ai beaucoup filmé les chiens, quoi. J'ai beaucoup, il y a peut-être 3-4 minutes de chiens. Bah, désolé, écoutez, pour une fois que je les monte, hein, c'est rare que je les monte, quoi. C'est rare. Non, pendant un moment, Canelle, on la voyait pas beaucoup, mais là, elle est beaucoup plus en demande de câlin. Melfine, Melba, bon, eux, c'est des pots de colle, hein, c'est des glues, hein, donc ils sont tout le temps là. Donc, le fondant du jour, c'était le fondant, donc Angel, quoi, Chérubin. Donc, c'était le Angel. Il a senti plus fort en fait une fois que je l'ai chargé, quoi, chargé. J'ai remis un tout petit peu, j'ai mis 3-4 gouttes de fragrance en plus dedans parce que bah, quand moi toutes les fenêtres sont ouvertes, c'est sûr que ça diffuse moins. Voilà. Et puis comme Jen fume, même si elle fume à la fenêtre, il y a quand même une odeur de tabac qui rentre. Donc ouais, je charge un peu les fondants depuis qu'elle est là. Donc ça fait 4 mois que je charge un peu plus les fondants. Mais franchement, ils sont super bons. Mais là, par contre, j'ai mis à brûler des fondants d'une créatrice. Je vous avais dit que j'avais déjà pris chez elle, quoi. J'avais pris une fois chez elle, j'avais pris deux fois chez une fois chez deux créatrices. Ça sent rien. Clairement, il y avait agrumes. Il y en avait trois agrumes, trois clémentines soi-disant, mais ça sent pas du tout la clémentine. Je ne sais pas du tout ce que ça sent. Agrumes, ça sent littéralement le citron vert. Là, je ne sens rien. Je ne sens strictement rien. Je sens l'odeur de la pluie, parce qu'il a plu, donc je sens l'odeur de la pluie. Donc je vais aller mettre un peu de fragrance citron vert, voilà, histoire d'avoir une odeur. D'ailleurs, j'ai lavé, mais pourquoi j'ai lavé? J'ai nettoyé mes brûleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, bah écoutez, ah oui putain, faut que je rentre la session boost, je l'avais zappé. Donc je vous dis à toute. Il est 2h26. Je vous reprends. Donc tout à l'heure, je vous ai laissé. J'ai pris un ibuprofène. J'ai fini mon épisode d'Heartland. J'en ai entamé d'autres. Et j'ai quand même pris une petite douche vite fait. De toute façon, je m'étais bien. Donc j'avais pris une longue douche hier. Donc là, j'ai pris une petite douche vite fait. Voilà. Donc voilà. Donc par contre, bah, je m'étais lavé les cheveux hier. Donc je ne les ai pas relavés aujourd'hui. Voilà. Puis bah, en fait, je joue toujours. Quoi, je joue. J'ai toujours plein d'applications différentes pour gagner quelques centimes par-ci, par-là. Alors on va me dire partisan du moindre effort. Non, de toute façon, je pense que j'ai largement le temps. Et en plus, l'avantage de ces applications, c'est qu'on gagne des points par minute sur le jeu, pas sur le temps joué. Donc en fait, je télécharge les jeux, je les allume, puis je laisse tourner. Ça me comptabilise des points et puis après je gagne quelques euros. Je suis presque à 3 euros sur une, quoi, dans ces 3 dollars sur une application. Je dois être à, je sais plus, en gros je peux peut-être gagner 5 euros en tout. Alors oui, ça prend du temps, hein, c'est pas le but en fait, c'est de télécharger les applications qui rapportent le plus. Après il y a des applications où vous pouvez jouer parce qu'en fait, il y a des applications, c'est par tâche en fait, mais les tâches elles sont trop longues. Alors, oui, c'est intéressant les points, mais quand on voit une application sur des coloriages, vous savez, les coloriages pas mystère, mais les coloriages, voilà, et que vous gagnez tant de points, mais au bout de 10, du 10e niveau, là vous en passez du temps, donc c'est pas forcément voilà. Le but, voilà, c'est de bah, laisser son téléphone tourner, voilà. Et le mieux, ce serait si on pouvait désactiver la veille. Parce que moi, mon maximum de temps de veille avant la veille que j'ai, c'est 10 minutes.
je crois. Jane, elle a un quart d'heure. Elle a une demi-heure. Donc, elle peut laisser ses jeux tourner pendant une demi-heure avant que le téléphone se mette en veille. Moi, j'ai que 10 minutes. Pas plus. Ça serait bien si on pouvait le désactiver, mais après, bon. Tant pis. Là, les chiens font gros dodo. Voilà. J'ai remis de la fragrance, mais je sais pas, je sens rien. C'est bizarre. Pourtant, j'ai remis de la fragrance citron vert. Alors, quand je vais vers là-bas, vers ma salle de bain, ma cuisine, il y a une odeur. Par contre, là, je sens pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi je sens pas? Je sais pas. Pourtant, bah, j'ai remis de la fragrance. Bon, tant pis. De toute façon, il faut que j'utilise ces fondants. Bien sûr, un seul fondant ne fonctionne pas parce que ce n'est pas du dosage à 10%. Ça, c'est sûr et certain. Ils sentent bon quand on les sent et encore. Mais pareil, la dernière fois, j'ai voulu brûler ce qui était soi-disant fleur de coton. Donc moi, je connais l'odeur de fleur de coton. Je sens, c'est pas fleur de coton, l'odeur me dit quelque chose. C'est bulle de savon. Pareil comme dans Clémentine tout à l'heure. À mon avis, la personne avait dû emballer les fondants et oublier avant de mettre les étiquettes. Parce que le fleur de coton, non, c'est le bulle de savon et Clémentine, je ne sais pas du tout ce qu'il sentait, mais alors pas du tout, même pas l'agrume. Hein. Je ne sais pas ce qu'il sentait, même pas l'agrume. Donc bon, voilà. Donc c'est bizarre. Donc est-ce qu'elle a oublié, est-ce qu'elle a oublié bah, les fragrances avant de les étiqueter? Je ne sais pas. Donc, bon. Après, hein, l'erreur est humaine, bien sûr. Je ne sais plus, je ne sais pas si elle fait encore. Hein, parce que je la voyais avant sur Facebook, sur les sites de vente. Je ne la vois plus, donc je ne sais pas. De toute façon, maintenant, moi j'ai mes propres fondants. Là, je brûle les siens parce que je brûle les miens la journée et la nuit quand je dors pas. Bah, j'allume d'autres fondants. Il faut bien que j'utilise. De toute façon, j'avais fait une commande d'une cent, j'avais fait une commande d'un lot de 100. Il doit m'en rester encore au moins une cinquantaine, donc moi j'ai le temps. Sauf que pour que ça sente un minimum, faut les brûler par 3, 4, 5. Voilà. Et en fait, le truc c'est que bah, cette personne elle avait pas beaucoup de fragrance à mon avis à ce moment-là. Parce que dans le lot de 100, parfois j'ai eu 10 fois la même fragrance, donc c'est un peu bête en fait, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, je dois recevoir ma monétisation YouTube à la fin du mois. D'ailleurs, je voulais encore vous remercier de continuer à me suivre. Les abonnements sont remontés. J'étais descendue à 2300, 2235. Non, 2335. Je suis remontée à 2341, 2340, ça varie. Donc en tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. Voilà, merci. Ça me touche que bah, les gens qui sont restés, les gens qui viennent. Donc, merci à vous. Et puis voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, je vous reparle juste du site. N'hésitez pas donc à aller visiter le site. Je rappelle que je ne force aucunement l'achat sur le site. Même si, mais après, si vous voulez me soutenir, mais pas forcément en achetant, partagez juste le lien du site, parlez autour de vous du site. Il y a mon site, ma page Facebook et mon Instagram en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, bah, n'hésitez pas à partager le site si vous voulez me soutenir. Mais pas forcément en achetant. Voilà. Parce que comme je ne force personne à acheter, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les fondants ou qui n'ont pas l'argent, tout simplement, si vous souhaitez m'aider, le bouche à oreille, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, ça fonctionne aussi très bien le bouche à oreille, donc n'hésitez pas. Moi, je finis mon épisode d'Heartland et puis je finis un téléchargement. Je suis en train de télécharger. Oui, je télécharge en fait. Parce que sur le site de téléchargement, moi j'ai payé un abonnement d'un mois. La saison 14 d'Heartland n'était pas disponible. Elle avait été retirée du site. Donc j'ai dû passer par un autre hébergeur qui est en téléchargement gratuit. Donc très lent et surtout restreint. Voilà, il faut attendre 2 heures entre chaque téléchargement.
Le téléchargement, il met plus d'une heure. Tandis que moi, quand je télécharge avec l'abonnement payant et ma fibre, en 30 secondes, j'ai le. En 30 secondes, j'ai les téléchargements. D'ailleurs, franchement, foot basket sur 18, 36, sur 50 épisodes, j'ai dû télécharger ça en même pas 20 minutes. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai téléchargé aussi le nouveau Planète des singes. Alors par contre, j'ai juste le regarder et le supprimer parce qu'il fait 9 gigas, ce que j'ai pris une grosse qualité. Donc ouais, je vais regarder le nouveau Planète des singes. Je ne sais pas voilà, ce qu'il vaut. Alors j'ai vu des critiques. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. On verra bien. Donc là, c'est l'histoire à peine des singes chez Le Nouveau Monde. Je mettrai l'affiche du film. Donc en fait, c'est bien après. Pas bien après le dernier. Le dernier qui a été tourné. Le troisième qui a été tourné, donc bien après. Donc on verra bien. On verra bien. Le coup, c'est le troisième. Ouais, voilà. Donc on verra bien. Donc en espérant qu'il me plaise, que les deux, je sais plus, les deux. Bon, j'ai vu les deux premiers. C'est le troisième ou le quatrième? Ah, j'ai un doute là. Bon, je les ai tous vus. Hein. Je les ai tous vus. C'est la nouvelle version. Je les ai tous vus. Donc on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'envie les chiens? Ils sont trop bien en train de pioncer, elle m'affine sur mon oreiller. Oui, la gratouille. Bah oui, je lève la patte pour la gratouille. Bah oui, c'est mieux. Mais mon bébé. Mais range ton zboub. Range le zboubi. Non, ma fille. Mais. Ah, fais dodo. Mon bébé. Bah fais dodo, mon bébé chien. Bah oui. Donc voilà. Le chien n'aboie pas cette nuit, voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Pourquoi le chien a aboyé de 23h à 4h30. Alors oui, comme a dit ma voisine, c'est possible que les gens étaient sortis. C'est ce qu'elle arrête pas de me dire, vos chiens aboient quand t'es pas là. Et en fait, mais ce qui est bizarre, c'est quand même que le chien, il était dehors. C'était pas dans une maison qu'on l'entendait. Donc moi personnellement, si je pars, je laisse pas mon chien dehors, quoi. Là pour l'instant, il n'y a plus de bruit. Un petit bruit, quelqu'un qui est passé sous la fenêtre en me parlant tout à l'heure, normal. C'est l'été, les gens pensent que la place de l'église, c'est la fiesta, parce qu'il y a des bancs et de la lumière. Voilà. Encore la lumière quand il l'allume, parce que des fois, voilà. Donc écoutez, ah oui, moi je donne des nouvelles de mon pote. Il va bien. Quoi, il va bien, je ne sais pas. Il est vivant, ça c'est sûr. Parce que je lui ai quand même demandé si ça allait. Il m'a dit ouais, mais j'ai dormi toute la journée. Je lui ai dit, mais est-ce que ça va mieux? J'ai pas de nouvelles depuis. La dernière fois qu'il s'est connecté, c'était hier à 22h30. Donc je pense qu'il a dû se rendormir. Voilà, je pense qu'il est vraiment capoute. J'espère vraiment que ce n'était pas grave. Voilà, j'espère limite une indigestion, ça serait très bien. Est-ce que ce serait l'appendicite ou une hernie ou n'importe quoi. Le connaissant, il pèterait un câble. Parce que l'opération. Et puis rester inactif, prendre ses médicaments, ne pas pouvoir boire pendant les médicaments. Quand je dis boire, hein, il boit une bière, mais il n'est pas alcoolique, mais bon. Il aime bien boire une bière. Il aime bien boire une bière. Bah oui, bah, il boit une bière et puis merde, il fait ce qu'il veut. On s'en fout. Donc voilà. Donc c'est vrai que, bah, en fait, faut bien que. Puis, de toute façon, les hommes, ils veulent pas se soigner quand ils sont malades. Mais bon. Les hommes, ils sont malades, ils veulent pas se soigner. Et après, ils disent qu'ils sont à l'article de la mort. Bah, ils ont un rhume. Ils sont à l'article de la mort. Il y a des femmes par état grippal, quoi, par grippe, qui font quoi? Qui font le ménage, la vaisselle, la bouffe, leur passage, tout ça, alors qu'elles ont la grippe. Et un homme, il a 37,5 de température et c'est la fin du monde. Et pas tous les hommes, hein, mais certains. Certains.
Bah après, hein, c'est comme. Ah, je me suis coupée. Je me suis coupée avec une enveloppe. Il va falloir me couper le doigt. C'était le sketch de Florence Foresti, ça, je crois. Je vais me suicider, passe-moi une enveloppe. C'était marrant, ça. Jane adore comme ça. Elle s'est pris pour un pharaon. Jane a fait le pharaon. Oula. Je me fais engueuler. Ah merde, elle est réveillée. Bon, elle est réveillée parce qu'elle a mal au bras. Moi, je me fous de sa gueule parce qu'elle dort en pharaon. Vous inquiétez pas, dans 5 minutes, elle redort. Donc écoutez, ben moi je finis mon épisode et je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant, si j'arrive à faire le tirage au sort, j'arrive pas à gérer ma souris. Et le gagnant sera Bonbon. Super. Il est 3h06. Je vais me faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc ce sera le fondant bonbon. Donc techniquement, la fragrance c'est bonbon schtroumpf. Clairement, ça sent pas le bonbon schtroumpf. Ça sent le bonbon, oui, mais pas le schtroumpf. Donc j'ai laissé juste intitulé bonbon. Donc comme ça, on verra bien demain. Je suis en train de finir un épisode de Heartland. Et Jane bug. Et tout à l'heure, gros blanc dans ma série, là, j'entends bœuf. Quelqu'un est en train de gerber dehors. Sais pas si la personne a gerbé ou pas, mais en tout cas, elle a eu des sacrées remontées. Comme je vous ai dit, les gens, ils pensent que la place, c'est la fête. Je sais pas si la personne rentrait de soirée ou non, mais en tout cas, elle a eu des sacrées remontées. Hein. Bleu, Mais bon. Ça arrive d'être malade. Mais bon, évitez de gerber dans la rue, les gens. Oh putain, c'est pas drôle, hein. Faut que j'arrête de moquer. Les gens, ils sont malades. C'est pas de ma... C'est pas de leur faute. Ouais, mais bon, quand même, hein. Écoutez. Donc, faut encore que je fasse le montage. Que je publie la vidéo. Donc, pour ce matin, 8h. Voilà. Et de toute façon, cet après-midi, j'irai chercher donc mon deuxième colis Mondial Relais. Et puis voilà. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!